Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Link's Awakening. J'espère que vous allez bien. Et on en était où? Je ne sais plus du tout. Ah si, on venait de trouver la tombe et il fallait qu'on aille chez les Auras, voilà c'est ça. Donc, enfin, ce que je suppose être chez les Auras. Bon, en même temps, chez Zelda, dans l'univers de Zelda, il n'y a que qui sont sous l'eau. Et qui ressemble à des poissons. Est-ce que je me dirige vers la bonne direction? Non, il y a un TP. On va le prendre. Hop. Téléportation. Je dirais que ici c'est une bonne localisation. Voilà. Nous y sommes. Et a priori non, c'est pas lui, c'est pas là. C'est tout de là. Hop. Maintenant qu'on est sous l'eau. Je sais plus ce qu'il nous a dit. Ah bah si, voilà. Il est passé dessous. Là ça... Ça rame un peu là. L'environnement subaquatique... ne plaît pas au moteur graphique du jeu. Et on est sorti de ce côté-là. Parfait. Maintenant qu'on a les palmes, on peut nager. On peut aller dessous. C'est le poisson-chat. D'accord. Le poisson-chat. Alors, je suppose qu'on peut faire péter ça, peut-être. Pourrons nous faire péter ça? Non. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment de bombes. Ah, toi tu disparais. Toi tu disparais pas par contre, ok. Yes. Merde, je peux pas faire le saut là. Ça ne passe pas. Boum, on les tue tous. Ça ouvre la porte. Il y a une clé au-dessus. La boussole. Palalala. Quel génie. Mais pourquoi on peut pas quitter ça? C'est ça qui est chiant. On peut pas appuyer sur... Ah! Ah non. Oh putain, j'ai cru qu'il allait m'avoir. Mais non. Heureusement. Sa trajectoire n'était pas ce que j'avais anticipé. Ah, raté. Eh oui, mais j'ai fait le con. Bon. Je vais le mettre jusqu'au bout. Ah oui, évidemment, là où on ne peut plus. Donc j'ai encore fait plus le con. Bravo. Là, ça devrait être bon. Ah oui, mais non. Ah, zut! Ok, cette fois je l'ai fait dans le bon ordre. Touloulouloult. Vous avez obtenu un fragment de puissance. Ouais, il m'envoie des boules de E. C'est des génies. Alors, est-ce qu'il faut pousser cela vers là-bas? Les autres. C'était l'autre truc qu'il fallait faire. Yes. Doudoudoudout. C'était dans l'autre sens. Ah bah non. Bah.
qu'est-ce qui se passe? Je voulais que ça revienne à chaque fois. Quoi. Non. Que dois-je faire? Peut-être un truc là. Est-ce que lui je peux le pousser là? Je pousse peut-être pas au bon endroit. Mais le truc c'est que ceux-là je peux pas les bouger. Ah mais faut que je suis con. Le gland! Oh là 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 là! Me fait pitié là. J'ai honte de moi-même. Oh là là. J'ai un tocard. Bon là on sait pas ce qu'on peut en faire. Mais j'en ai honte. Je m'en excuse. Champion du monde sur les énigmes là. Je les rebute ces merdes. C'est plus rapide comme ça. Ah vous allez me laisser tranquille oui. Bon, squelette, là. Ça suffit. Ok, donc on va avoir un bec de je sais pas quoi parce que on n'a pas eu. Ah, c'est un boss. Et là tout à l'heure ça devait être aussi un autre boss, mais on l'a pas fait dans le bon sens, c'est ça? Est-ce que je dois le faire péter? Non. Comment je peux tuer ça? Ça doit être avec la bombe, mais je l'ai pas fait assez. C'est rapidement, ouais, voilà, c'est ça. Parce que ceux-là, on les a toujours butés à la bombe en fait. Les stélalphos, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle vraiment. Les alphos, je crois que c'est les alphos. Bref, c'est des squelettes, ça doit pas ça. Ah, je ne peux pas te battre, j'abandonne! Ça, c'est la première salle. Je pense qu'on le bute 4 fois. Parce qu'il y a les marques bleues au sol. J'ai pris ce qu'il y avait dans ce coffre, viens le chercher si tu l'oses. Oh là là. Ah, encore des bombes. Des bombes. Encore des bombes. Ah mais en fait je suis con, on aurait pu faire le farming. Non. Non. Triste. Oh Vérole.
Qu'est-ce que... Non, je peux pas éteindre ça. Tant pis. Hop, champion. Quelle est cette chose? Je me disais, qu'est-ce que c'est? C'est quoi là, l'espèce de triangle en haut là? C'est bizarre. C'est chelou. Des flèches, mais on n'a pas d'arc. La flûte. Ça nous donne des flèches, on n'a pas l'arc. C'est génial. Ah. Bon, on aura fait le saut de l'ange vers son grand V. Et on ne peut pas. Non, je peux pas faire le... Non. Saut de l'ange retourné. Non, ça marche pas. Triste. D'accord, je peux pas les tuer. Pourquoi là, ça se ferme à chaque fois? C'est chiant. Ça serait où? Oh là là, je me les prends toutes. Ah, c'est toi des bombes, c'est bien. Une clé, un coffre. Le bec, ok. Le bec de pierre. C'était une clé, il l'aurait pas mis dans le coffre. Oh, l'esquive. C'est nouveau ça. Non, pas nouveau. Ce n'est pas un lieu nouveau. Déjà allé, mais là il y a une statue en fait. Laisse-moi parler. Le squelette épéiste ne peut être vaincu à la seule lame de ton épée. Tu vas le faire exploser quand il sera effondré. Waouh, merci. Je n'étais pas au courant. Du coup, il faut que j'aille en haut. On sait pas ce qu'il y a en haut. Mmh. Oui. J'aime pas trop le fait que je sois un demi-cœur là. J'aime pas bien la position de ce cœur. Ah là là, putain de merde quoi. Oh, un game over. Oh la blague. On reprend. Comment ça me... Oh là là, mais merde quoi. On trace. Est-ce qu'il y a encore les bombes ici? Oui. Prenons-les. Je peux aller que là pour le moment.
Essayons de les casser, on va voir ce que ça donne. Rien. Super. Ah, je peux descendre là? Ah ah! Je pensais pas que je pouvais descendre. Il y a des gloops quoi. L'univers Nintendo. Je veux une explication, moi. Pourquoi il y a du Mario là? Non mais 100% c'est le grappin. 100% c'est le grappin. L'objet du donjon. Parce qu'il y a trop de zones qu'on ne peut pas. Moi là-bas, je voulais juste prendre le cœur et je me retrouve dans une grotte. C'est génial. Comment je bouge ça? Les pots, je peux pas bouger. Je ne peux pas y aller. Ah mais vous allez me laisser tranquille, nom de merde. Ah, deuxième phase. Quoi, tu m'as trouvé? Tu es pire qu'un pot de colle! Il faut que je mette les bombes. Boum! J'ai plus de vie, moi. Faut que je fasse attention. Parce que sinon c'est honteux. Hein. Et boum! Jamais il crève. Non, il faut faire 4 fois. Vous pourrez me donner au moins un truc, je sais pas. Ah, des cœurs. C'est ça qu'on veut. Bah, techniquement, ce coffre, je peux le prendre. Rubis. Génial. Ça, je ne peux pas y aller. Là non plus. Techniquement, je peux me chier aussi. Mais saute! Non, deux non! Je ne peux donc rien faire. C'est génial. À moins que... Non, c'est 4 là, je peux pas. Je ne peux pas passer ici. Ok, donc les pots, ça marche pas. Yes. Ah! On y est. Troisième phase. On sait où est la quatrième. Est-ce qu'on aura assez de bonbons? On en a 22. Parfait. Hop. Heureusement qu'il est facile parce que si je vais faire 4 fois. Ah, il se m'a sauté maintenant. C'est nouveau.
Mais non, tu me fais mal là quand même. Je ne peux pas te battre, j'abandonne. Abandonne. Tu m'as trouvé, mais... C'est scandaleux. Ah! Auriez-vous l'obligeance de me donner des cœurs avant que je crève? La carte du donjon, super! La Yes Life. Ah, faut que je les bute, putain. Pas de cœur. Merci, vous êtes bien aimable. Et du coup, normalement, si je ne me foire pas, là c'est le boss, certes. Mais on a une quatrième salle. C'est ici. C'est celle-là, là. Donc il faut prendre l'escalier, je crois que c'est celui-là. Donc il faut que j'aille là. Que je prenne. Plus qu'à l'escalier. On est rentré par là. Bon, c'est pas celui-là, en fait. Simplement. C'est celui-là. Je sais pas. Bref, faut que je revienne par là, en tout cas. Ça, c'est certain. On repasse par là. C'est sûr. On repasse là. Là, c'était la première salle. Et la quatrième, elle est par là-bas. Pas du tout. Ah, j'ai sauté. Non, ça veut pas, ça veut pas. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est celle-là, ouais. Ah, putain. T'arrêtes de tomber. Mais non, en plus c'est même pas elle, putain. Et merde. Bon, moi je reviens avec des cœurs, quoi. Et on revient au début, voilà, c'est ici. Parce qu'en fait, du coup, j'étais pas du tout au début, du coup. Bravo le veau. C'est ça, c'est ici. Que je me souvienne. Hop. Je crois bien que c'est là. Yep. C'est ici, voilà. Là, on devrait avoir l'arc. Boum! Il crève, ça, le squelette. Ah, ben enfin. Il était temps, il en aura fallu, hein. Non, c'est le grappin, c'est bien le grappin. Oui, c'est pas l'arc, quelconque. C'est le grappin. Les voir, ils s'y tirent. J'avais bien raison, c'était le grappin. Pourquoi j'ai dit le... J'ai dit l'arc tout à coup. Les voir, ils s'étirent super loin. Oup. Oh, on peut leur virer l'ours. On peut les stun. On peut leur virer leur... On les stun et on leur vire les... leurs coquilles.
Maintenant c'est par où? C'est la question ça. Devons-nous tout réexplorer? Là, je sais plus ce que c'est. Parce que là, ça... On aurait pu y aller, du coup. Eh oui. Au début, on aurait pu. Là, on pourrait. Là, on peut. Et là, on peut aller, là. Bon, je sais pas ce qu'il y a ici, mais on va y aller, du coup. Je sais plus. Je ne sais plus ce qu'il y a. Mais je crois pas que ce soit une bonne zone. Ah, il y a un hibou. Plonge là où le croisement de lumière des flambeaux. Oui, mais je l'ai vu ça aussi. Ah, ça c'est la clé du boss. C'est la porte du boss là-bas. Ah. Eh oui. Le grappin, incroyable. Bon, il se passe rien en tuant des, en tuant tous les méchants. Et encore des flèches, je comprends pas. Toi, je peux pas te. Non. Ah bah voilà des cœurs. En fait on a plein de flèches. Mais on n'a pas d'arc. Une fée. Incroyable. Mais on en vient de là. C'est quoi l'intérêt? Là, il y a... en bas, il y avait un truc. Peut-être des pays, ça nous donne un cul à la... Oui, ça me prend. Voilà. Mais non, mais on s'en fout. Nous, on veut des trucs intéressants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? C'est l'entrée, ça. Là-bas. Faut qu'on retourne. Donc c'est haut. Gauche. Rip. Haut gauche. Au gauche, au gauche. Ah. Ah, qui me donne un cœur. Voilà, c'est comme ça qu'on passe. On comprend mieux. Ah, dégueule. Bada bada. Une petite clé. Mais voilà. C'est ça qu'on veut. Je sais pas pourquoi on en aurait besoin. Il y avait des blocs de clés, mais... Du coup, j'allais tomber dans le vide. Là, il y a une clé à ouvrir. Donc, c'est en haut. On va faire ça.
On va faire ça dans l'ordre. On n'aura plus à redescendre. Oh. Voilà, on comprend maintenant pourquoi il y a le pont. Tu tombes directement dans celui-là, quoi. Tu peux rien faire. Hein? Ah, il y a encore un boss, enfin un mini-boss. Éliminer une. Suffit pas, putain. Faut les martyriser, quoi. De mi-coeur. What, ça me touche. Oh là là, le donjon de la mort, putain. Je fais que crever, quoi. C'est relou. Heureusement qu'on recommence pas avec 3 coeurs, parce que... Faut que ça les casse pas. Que ça les casserait, moi. Est-ce que je vais dans la bonne direction, au moins? J'ai l'impression que... non. C'était par où que je suis allé? C'était là, hein. C'était ici. T'es pas là du coup. Le boss là. Qu'on vient d'affronter, je sais pas exactement à quoi il sert. Mais s'il y est, c'est que ça doit servir. Donc. Voilà. Non, putain. Vous y croyez ça? Mais merde! Je me suis pas fait avoir. Là, il y a les boss. J'aimerais vous buter, en fait. Hop. Ah mais merde. Regarde mon bouclier levé, hein. Mais merde, genre ça... Ça la touche pas, quoi. Ah ben voilà. Détends. Au moins on sait qu'on peut les buter, quoi. Elle va loin. Ah. Alors qu'est-ce qu'on débloque en les butant? Juste une fée? Et un point de TP. Yes.
Super. On en vient de là, putain. C'est de là où on vient. Et d'accord, parce que là c'est là où il faut qu'on aille pour le boss. Ok. Et là je peux plus y aller. T'es obligé de le faire. D'accord, donc ça c'est pour le boss. Ok. Okidoki. Yes. Dis-moi que je peux passer. Mais on s'en fout de ton fragment de puissance. Putain, ça c'est chiant. Franchement. Il est relou. Au moins les buts d'un coup, on dirait. Non, là y a rien, c'est dead end. Il faut que je repasse par en bas. Il faut repasser par le boss. Et continuer en haut cette fois. Hop, ah putain, t'es obligé de te faire shooter quoi. Ok. Ah. Et là. La voilà. La clé. Après, il faut trouver la clé du boss. On a la clé pour... Est-ce que c'est la clé du boss ou une petite clé pour ouvrir le bloc? C'est une petite clé pour ouvrir le bloc qui accède à la porte du boss. Et maintenant, il nous faut la clé du boss. Ça, c'est... la merde, ça. Est-ce que ça serait pas celle-là? Non. 50 rubis. Hop. Non. Bah du coup... où c'est qu'on faut qu'il faut aller qu'on n'est pas allé? Ah ah. Ici il y a une clé, c'est peut-être là du coup. Ça doit être ça. Hein. Parce que le reste, tous les coffres sont ouverts, donc du coup, c'est celui-ci. Il faut donc passer probablement par là. Ça, c'est la salle du boss. Non, c'est là par où on arrive. Comment j'ai cet escalier-là? Comment j'arrive dans cette salle? Ah, bah si. Il faut que je passe par la flotte. C'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Chou, nageons. Nageons sous l'eau. Et tuons des ploups, des poulps, des gloups. Piou, piou. La maniabilité du jeu est assez, assez chelou quand même. Mais bon. Ça reste sympathique. La clé du boss. Enfin. Donc maintenant, on sait où il faut aller. Je crois. Je sais où il faut que je retrouve le chemin. Je sais où il faut aller, mais je sais plus le chemin. Heureusement que nous avons la carte. Regardons la carte. Il faut que je passe par là, je crois. Évidemment. Je me suis trompé.
Oh là là. C'est le cancer cette salle. Tu te fais bumpinade de partout. C'est pas ça. C'est pas celle-là. Ça doit être ici. Non, c'est le... C'est une deuxième salle. C'est lequel? Nom de nom. Ah bah c'est celui-là. Eh bah oui. Eh bah oui. Sinon il mettrait pas un TP en fait. C'est deux fois en haut. On leur a fait ce chemin. Je suis pas sûr qu'on ait pris la route la plus efficace. C'est la seule que j'ai trouvée. Pour faire ce donjon assez machiavélique et catastrophique. Ah mais merde hein. Hop. Et là ça devrait le faire. Voilà. Excellent. Voili voilou, le boss, c'est à nous. Ah, tu es l'intrus venu réveiller le poisson rêve. Tu vas me servir de déjeuner. Et qu'est-ce que c'est que donc? Ah. Émurène. Dégueulasse. Il faut pas que j'utilise le grappin. Comment je peux utiliser sa merde? Ah oh, mais j'arrive pas à le grappiner. Je suppose qu'il faut utiliser le grappin, non? Ou une bombe. Ah, peut-être que j'utilise une bombe. Ouais, c'est ça. Je pense. Et il faut que j'ai la. C'est bizarre, du coup, on n'utilise pas le grappin. Ah, faut vraiment que je la mette. Yes. Yes. Et là, on est content d'avoir le TP. Là, on est très content de l'avoir. On dit oui. On dit merci. Ah ouais, non, mais ça reste chiant quand même. J'avais zappé toute cette partie-là. Qu'il faut remettre le grappin. Piou. Qu'il faut remettre la bombe. Mais il faut reprendre le grappin. Trop de précipitation. Peut remettre la bombe et on passe ça s'il te plaît. Donc, il nous fait un haut droit haut. Non c'est pas ça, what the fuck. Je pensais qu'il se... qui boufferait la bombe, moi. Ah, flûte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, du coup? C'est pas ça. C'est pas la bombe. Du coup, c'est le grappin en plein la face. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok. C'est bien le grappin, ça me paraît plus. Ah oh, mais putain.
Elle me saoule cette merde là. On va juste attendre qu'elle vienne sur les côtés là. Il peut pas m'atteindre avec ça. Évidemment, il va jamais aller là. Oui. C'est trop beau. Ah quoi? Mais merde! Ça reste super long. Je dois retourner. Oh putain, et si je me fais buter par ces bouses aussi là? Un cœur, oui, incroyable. C'est quand même bien la loose. Hein. Hop. Cette musique est horrible. Ah, je suis pas assez loin en fait. Oui. Je ne suis pas assez loin pour la tirer de grande qualité. Ah mais non. Saloperie. Elle a pété là. Hein? Ok. C'est quoi c'est dégueulasse comme machin. Évidemment, t'as sa merde au milieu là. Box quoi, que quand ça l'arrange. Voilà, montre-toi. Voilà. Oui, le troisième coup travers le mur. Tu n'as toujours pas compris quelle était la véritable nature de cette île. Tu es tellement naïf. Ouais, je m'en fous. La véritable nature de cette île. Moi, je veux juste me barrer. Ok, c'est pas chez moi ici. Moi, je vais retrouver la princesse. Bon, je m'en souviens plus, mais... Voilà, Hyrule. Je suis le héros d'Hyrule, ok. Vous avez obtenu le xylophone marin. C'est un nouvel instrument de musique. Et oui. Et ce n'était pas du tout les auras, du coup. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'aura, en fait. Donc ça fait 3 épisodes que je dis là c'est sûrement les auras, mais en fait non, c'est juste un gros poisson. Parce qu'il n'y a pas les auras. Temple, le temple renferme le secret de l'île. Carrément. Mais on sait pas quel temple. Mais probablement l'un des deux temples... Comment dire ? L'un des deux temples, des deux zones qu'on n'a pas encore explorées quoi. Si vous voulez. On n'a pas le hibou. Il va venir nous voir dès qu'on pose les pieds sur la terre ferme, d'accord. Il va y avoir. Ouh, ouh. Oh, oh. 100%. Non. Ah, oh, je suis surpris. Je suis surpris, mais c'est chiant ces merdes là, on peut pas les buter. Ah, oh, c'est comme ça.
Lap. Paliboum, paloum. Du coup. Ben, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'on ira au temple du sud et là il y aura le temple du nord. C'était ça qu'il fallait faire. On prendra l'arc. À un moment. Voilà. Ça sera donc le prochain épisode. Il y a ça aussi, on pourra aller parce qu'on est. On sait pas comment, mais probablement avec maintenant le grappin, on peut se grappiner aux arbres. C'est fou. Même au travers les plans, j'ai envie de vous dire. Mais là, il n'y a pas d'arbres. Donc c'est assez incroyable. Non, faut qu'il soit quand même affiché à l'écran. C'est parce qu'il n'y avait pas. Mais... Ouais, non, faut qu'il soit affiché à l'écran tout de même. Ou chargé par le jeu en tout cas. Et du coup, ça nous fait 5 instruments de musique. Plus que 3. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao de tout le monde.